unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así. On trouve dans la salle basse d'une maison un jeune homme pendu. La foule s'ameute, le clergé fulmine, la magistrature informe. C'est un suicide, on en fait un assassinat. Dans quel intérêt? Dans l'intérêt de la religion. Et qui accuse-t-on? Le père. C'est un huguenot, il a voulu empêcher son fils de se faire catholique. Il y a une monstruosité morale et impossibilité matérielle. N'importe. Ce père a tué son fils. Ce vieillard a pendu ce jeune homme. La justice travaille et voici le dénouement. Comment t'appelles-tu? Amal. Et toi? Vera. Ton Dieu a un autre nom que le mien? La vieille avance, avance. Elle ne sent plus la raideur de ses genoux, la faiblesse de ses doigts. Elle marche, elle va, elle tient la haine en joue. Je viens, petite. Je n'en vois qu'un, c'est le vautour. Lui seul est puissant, redoutable, affreux, terrible, épouvantable. Plaçons-nous, mes amis, sous son protectorat. Je suis sûr qu'il acceptera. Non, Coluche, pas toi. Si. C'est François Mitterrand qui a dit les immigrés sont ici chez eux. Alors Jean-Marie a répliqué, moi je suis d'accord. Je me sens aussi chez eux. C'est l'histoire de Nadia. Une beurette de 16 ans, apprentie coiffeuse chez Christelle, au Ciseau d'Or. C'est à côté de la station RER. Elle a disparu. Aujourd'hui, les copains sont venus avec des nouvelles, une bonne et des mauvaises. La bonne, c'est que l'imam de la 17 a été arrêté pour complicité dans l'assassinat de Nadia. Ça mérite une canette, j'ai dit. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que.